Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Notre invité ce soir est un personnage immense de notre médecine. Bonjour Yves Agile. Bonjour. Vous avez régné sur la neurologie de la Pitié-Salpêtrière, donc de la France, pendant 20 ans. Vous avez créé l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM. Vous êtes académicien et pendant vos loisirs, écrivain. Alors, quelle ne fut pas ma surprise en lisant votre dernier ouvrage, L'homme glial, qui vient de paraître chez Odile Jacob, de découvrir que vous aviez la sincérité, la naïveté, ou plutôt la provocation, car je vous connais bien, de nous expliquer pourquoi vous étiez passé une grande partie de votre carrière à côté du sujet principal. Vous qui avez contribué à nous apprendre, à nous expliquer le rôle prépondérant des neurones, vous auriez oublié que ceux-ci ne forment que la moitié de la matière cérébrale et que l'autre moitié, la glie, n'était pas cette glue de soutien amorphe que nous enseignaient nos maîtres. Et comme on peut être professeur émérite mais rester chercheur en neurobiologie toute la vie, eh bien, déchargé des contraintes administratives d'un chef de service, vous êtes allé voir un peu plus près de cette glie, un peu aidé par la tendance du moment et quelques confrères, eux aussi, interpellés par certaines évidences et surtout par une question essentielle restée sans réponse. Comment le cerveau intègre les messages apportés à partir de l'environnement pour en produire un comportement? Eh bien, chers consoeurs, chers confrères, la réponse est probablement dans la glie. Et Yves Agile va nous expliquer tout cela. Alors dites-moi Yves, j'ai résumé de façon un peu trop lapidaire l'émission ou c'est l'esprit découvrir un nouveau champ immense de connaissances et de solutions potentielles? C'est peut-être une rupture. Peut-être. Une rupture scientifique et puis un moment très important à la médecine, notamment pour faire le diagnostic de certaines affections du système nerveux et peut-être trouver des nouveaux médicaments. C'est le peut-être qui me gêne, parce que quand je lis L'homme glial, je vous le conseille, je vous en... Mais c'est la prudence du scientifique. Oui, c'est la prudence scientifique, parce que vous dites une révolution dans les sciences du cerveau, même si vous dites que ce n'est pas forcément vous qui êtes à l'autre... Cette phrase, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et vous allez voir que c'est effectivement une révolution. Alors, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez dès maintenant les poser à notre invité, grâce à la boîte de dialogue située sous votre écran. De nombreux internautes m'ont vu que c'est difficile de poser des questions tout en écoutant, particulièrement aujourd'hui, avec ce GG qui n'est pas facile. On n'aura peut-être pas beaucoup de questions. Nous sommes le dernier jeudi de février, date de notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire, le groupe Vive, qui sera représenté pour co-animer cette émission avec moi par le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François, bonjour Imagine. Alors, vous avez lu avec autant de plaisir que moi, par professionnalisme, vous l'avez même plus deux fois. Vous avez la même impression étonnante? Ce qui est étonnant, c'est que ces cellules gliales ont été découvertes au 19e siècle et bon nombre de médecins comme moi ont passé pendant plus d'un siècle tout ce temps en ayant comme vision de ces cellules uniquement un rôle de soutien, de ciment. Comment est-ce possible de passer à côté de tant de choses? Vous avez raison, parce que la première description de des cellules nerveuses avec les neurones et les cellules gliales, c'était 1824 par un Français, Dutrochet, qui était botaniste d'ailleurs, académicien botaniste. Et puis ensuite, avec le microscope, on voyait ces deux types de cellules qui devenaient de plus en plus précis, et arrive 1920. En 1920, il y a des gens qui commencent à piquer des neurones et on recueille un potentiel d'action, de l'électricité. Et les autres sont muettes. Alors ensuite, ça a été tout le développement de la neurophysiologie électrique et les cellules gliales. Jusque dans les années 60, par exemple, on n'en a plus jamais parlé. – Alors, la neurologie est passée pratiquement tout le XXe siècle à côté de la moitié du cerveau. Vous dites que vous êtes passé de la stupéfaction à la révélation. En questionnement, d'ailleurs, vous dites questionnement, stupéfaction, révélation. Vous êtes censé être peu nombreux à avoir fait ce chemin, ou alors vous pensez qu'en ce moment, la neurologie s'éveille ?– La neurologie s'éveille en général, parce que comprendre ce qui se passe dans le cerveau, c'est quand même la chose la plus extraordinaire et la plus importante, je crois, de la médecine. Mais en ce qui me concerne, il me semble que j'ai eu un chemin que tout le monde a, c'est-à-dire qu'on voit les choses. Bon, je savais qu'il y avait des cellules gliales, de la myéline, des astrocytes, de la microglie. Je savais tout ça. Mais je le décrivais même dans mon labo dans les années 80-90. On a fait des travaux sur ces cellules gliales. Mais jamais on ne s'est posé la question que ça pouvait avoir une autre fonction que celle de tissu de soutien. Ouais. La communication entre neurones et cellules gliales, vous êtes posé la question très tard, en fait.
tout d'un coup, c'est venu d'un coup. Alors, c'était toujours assez amusant parce que ça jaillit, ça. Tout d'un coup, on se dit, mais et si c'était ça? Et si on ne pensait pas avec de neurones, par principe, mais si on pensait avec des cellules gliales? C'est quand même fou. Alors, ça peut paraître idiot. En réalité, c'est une prise de position, une disposition d'esprit a priori, quoi, pour se dire, ne serait-ce que pour démontrer si c'est faux, quoi. Alors, je vais rassurer ceux qui nous regardent. Vous n'allez pas nous faire un cours incroyablement compliqué de neurobiologie, même si vous êtes un grand pédagogue. On va ouvrir des portes aujourd'hui, des portes pratiques, thérapeutiques importantes. Ben, j'espère, parce que si on met sur, on arrive à montrer que ces cellules gliales jouent un rôle dans la physiologie du cerveau et dans la physiopathologie, donc des maladies du système nerveux, à ce moment-là, on pourra trouver des médicaments, des nouvelles cibles. Jusqu'à présent, on a trouvé des cibles pharmacologiques. Elles sont cherchées par nos collègues de l'industrie pharmaceutique exclusivement sur des neurones. Ouais. Et les astrocytes, ça c'est bien. D'autres cibles. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que les cibles sur les cellules gliales. Il faut évidemment faire les deux. D'accord. Alors, vous nous avez donné les trois types de cellules gliales qu'on a appris pendant nos études, oligodendrocytes, microglies et surtout les astrocytes, qui meublent le vide laissé par les neurones. Il y en a combien par rapport aux neurones? Il y en a un peu plus chez l'homme. Disons, si on dit qu'il y a 85 milliards de neurones, il y a probablement 100 milliards de cellules gliales, et tout compris. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que, si je m'en réfère à votre livre, on commence par la limace. Combien de neurones, combien d'astrocytes? On dit que chez la limace, il y a 6 neurones pour un astrocyte. Okay, alors on quitte et chez l'homme, il y a plus d'astrocytes. On quitte les hommes politiques, on va chez le chat, donc, qui a déjà beaucoup plus de... Alors, c'est étonnant, vous dites. Il y a très peu de cellules gliales chez les petits animaux, via une corrélation parfaite, et chez l'homme, il y a plus de cellules gliales que de neurones. Tout se passe comme si, en fait, plus on était intelligent, plus on avait de cellules gliales. Et peut-être l'inverse, c'est-à-dire, plus on a de cellules gliales, peut-être plus on est intelligent. – Oui, et alors il y a quand même quelque chose qui m'a sidéré dans votre livre. On a tous entendu parler du cerveau d'Einstein. On se disait, qu'est-ce qu'il a le cerveau d'Einstein? Le pauvre, il a été découpé dans tous les sens. On a dit, il n'est pas plus lourd, même plutôt plus léger que les autres. Il n'a pas plus de neurones, mais là, jackpot, il aurait plus d'astrocytes ? Il paraît. C'est quelque chose de sérieux, puisque j'ai été en contact avec l'anatomopathologiste qui a disséqué le cerveau de Einstein. J'ai une autre anecdote que je n'ai pas dite dans le livre. C'est qu'en visitant un institut de neurochirurgie à Moscou, on m'a montré dans un placard Lénine en coupe. Et j'ai demandé s'il était normal, bien sûr. On m'a dit parfaitement normal. Ah, il y a un petit peu plus de cellules gliales. Enfin, c'est une anecdote, hein, c'est pas une preuve. Hein. Alors, outre le rôle des astrocytes, leur rôle propre, vous expliquez dans votre livre que c'est surtout le dialogue qui se passe avec les neurones et les vaisseaux. Vous parlez même de ménage à trois. Comment ça fonctionne un astrocyte ? Il faut comprendre comment fonctionne un cerveau. Je rappelle qu'un cerveau, ça consomme 20% de l'énergie du corps, c'est-à-dire 10 fois plus que tous les autres organes, et en permanence, hein, même quand on dort, par parenthèse. Et d'où vient cette énergie? Ben, elle est apportée par les vaisseaux, des petites artérioles. Enfin, vous savez combien il y a de kilomètres de vaisseaux dans un cerveau humain? 600 kilomètres. C'est des petits fils très fins. Donc, le sang apporte l'oxygène et le glucose, qui sont les aliments des neurones, mais le glucose ne passe pas directement du sang dans les neurones, il passe par les astrocytes, il est pompé par les astrocytes, et le glucose dans les astrocytes se transforme en lactate, qui va rentrer dans les neurones. Et puis ensuite, le chemin inverse, quand les neurones ont des déchets à éliminer, eh bien ces déchets sont pompés par l'astrocyte, et ça repart dans les vénules. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le ménage à trois. Autrement dit, l'astrocyte, c'est l'intermédiaire entre donc, les vaisseaux. Oui, mais c'est plus qu'intermédiaire. Il nourrit, il est pur, et il protège aussi des surcharges. Il a plein de qualités que c'est pas seulement celle-là. Il a plein de propriétés que les neurones n'ont pas. En deux mots, les astrocytes ont à peu près les mêmes propriétés que les neurones, sauf qu'ils ne produisent pas d'électricité. Par exemple, ils produisent des neurotransmetteurs, même des neurotransmetteurs que les neurones ne produisent pas, par exemple la D-sérine. Mais surtout, ces astrocytes ont la propriété de produire des ondes calciques.
Et vous savez, quand vous avez un neurone, vous avez une communication point à point. Oui. Vous avez une synapse présynaptique, postsynaptique, point à point. Et pour les astrocytes, c'est différent. Un astrocyte est au contact de plusieurs centaines de milliers de terminaisons neuronales. Vous avez une très bonne comparaison. Vous dites, le neurone, c'est le téléphone, l'astrocyte, c'est la radio. Oui. C'est ça, communication point à point. Et la radio, c'est qu'en effet, l'astrocyte, lui, il envoie des informations partout. Mais c'est le point essentiel pour nos confrères, c'est important à comprendre. C'est que les astrocytes, je résume, ont cette propriété extraordinaire d'intégrer l'ensemble des informations qui proviennent des neurones, qui proviennent de l'environnement, donc des neurones, et puis ils vont les synchroniser et produire un comportement adapté. C'est les astrocytes, c'est ça leur rôle, pour moi. – Vous parlez de synapses tripartites. Alors effectivement, nous médecins anciennement formés, ou peut-être encore ceux qui sont formés, on avait une vision de la synapse bipartite, si j'ose dire. Oui. Et vous parlez de neurocentrisme, voire de neurochauvinisme. Hein. Donc expliquez-nous cette synapse tripartite, le rôle des gap junctions, enfin tout ce mécanisme complexe. Voilà. En gros, on était neurochauvinistes, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, parce que moi j'ai travaillé pendant 35 ans sur des neurones, pratiquement jamais sur les cellules gliales. Alors maintenant, il ne faut pas devenir non plus gliochauviniste, hein, c'est une manière de parler. La question sur la synapse tripartite, c'est simplement que quand vous avez un neurone qui se jette sur un autre avec la synapse entre les deux, donc le neurone postsynaptique, vous avez deux éléments. Et l'astrocyte, il entoure tout ça et il rentre dans la synapse. Et il permet, anatomiquement un peu, mais surtout par des moyens biochimiques, des sécrétions de glutamate en particulier, de favoriser ou non la transmission nerveuse. Et non seulement ça favorise la transmission nerveuse, mais en plus ça crée un dialogue permanent entre le neurone et l'astrocyte. Le neurone informe l'astrocyte dès qu'il est en action, et l'astrocyte redonne un message de contrôle sur la transmission neuronale. Et les gap junctions entre les différents astrocytes, c'est aussi important que les synapses ? C'est tout à fait différent. C'est là que c'est le mécanisme moléculaire qui permet ces vagues de calcium qui sont très lentes, contrairement à la transmission synaptique qui est très rapide, qui est très lente, mais qui se fait sur des longues, des grands volumes. Par exemple, dans un astrocyte va pouvoir envoyer des ondes de calcium sur plusieurs millimètres dans le cerveau. Vous imaginez ce que c'est? Si vous songez que dans un millimètre cube de tissu nerveux, vous avez un demi-milliard de connexions nerveuses. Un millimètre cube de tissu nerveux, un demi-milliard de connexions nerveuses. Ouais. C'est tout de même incroyable qu'on ait oublié ces astrocytes alors qu'elles ont l'air de jouer un rôle considérable dans la communication. Rassurez-nous, pour les oligodendrites, on a tout découvert ou c'est encore un champ complètement inexploré ? Les oligodendrocytes, c'est une catégorie de cellules gliales tout à fait différente qui produit la myéline, c'est-à-dire qui permet de créer ce fourreau de myéline très lipidique que tout le monde connaît et qui permet l'accélération du courant électrique. Et eux qui sont le réel, qui sont origine de la sclérose en plaques. Oui, c'est ça. C'est la myéline qui est lésée prioritairement dans la sclérose en plaques. On les connaissait bien, les oligodendrocytes, puisqu'on connaissait bien cette maladie. Bah oui, j'en ai vu quelques-unes, oui. Ouais. Donc on savait que là, voilà une cellule gliale dont on savait qu'elle n'était pas que de la glu. Oui, mais on nous parlait. Même si on disait que c'était jamais qu'une gaine. Mais vous savez, on simplifie un petit peu. La myéline, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dessus depuis longtemps. Oui. Surtout dans la pathologie. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu la recherche qui a été faite en science, fondamentale. Mais les pathologistes, eux, quand ils regardaient le cerveau, ils voyaient des modifications de la myéline, sclérose en plaques, par exemple. Ils voyaient aussi des astrocytes, ce qu'on appelle la gliose. La gliose dans les maladies, toutes les maladies, dans toutes les maladies, il y a de la gliose. Mais on se disait que c'était pour boucher les trous. Alors que c'est, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus important que ça. Alors, on va résumer cette première partie du débat en disant que l'astrocyte est le chef d'orchestre, le juge de paix de fonctionnement du neurone. Si je résume, je dirais l'homme glial d'Ivagide est aussi important que l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux. J'ose pas dire ça. Qui a mis les psychiatres dans la rue parce qu'il osait affirmer que l'enracinement de la psyché était d'abord dans le cerveau biologique. Donc vous êtes
J'ai eu l'impression de dire un gap comme ça, là. Et je ne pense pas que l'homme glial est un titre qui était trouvé par hasard. L'homme neuronal, l'homme glial, voilà, mais, deuxième étape de... Je vous dis, cher François, que mon ami Jean-Pierre Changeux, pour lequel j'ai une très grande estime, est parfaitement au courant. Bon. Donc c'est une manière de peut-être de compliquer, mais si vous voulez, de compléter, c'est important quand même cette idée-là, c'est-à-dire prenez des grands... projets comme le Human Brain Project, vous savez, un milliard d'euros, j'étais dans le conseil scientifique, c'est énorme, n'était conçu qu'avec des modèles de neurones. Les modèles de neurones de Changeux et de Hahn, d'ailleurs, les modèles de Edelman, de Linas, tout ça, c'est uniquement les neurones. Et maintenant, dans le Human Brain Project, on a ajouté les astrocytes. Parce qu'enfin, on les ajoute. Alors, on a compris que les astrocytes étaient fondamentaux et qu'ils jouent un rôle essentiel dans la genèse et le contrôle de nos comportements. C'est une autre histoire. En clair, que la pensée de l'homme n'est pas totalement neuronale. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Nicolas, je crois que vous avez bien aimé l'exemple. Vous avez un exemple magnifique pour me faire comprendre dans votre livre. Vous nous dites que c'est comme s'il y avait un extraterrestre qui arrivait dans une ville et qui regardait passer des camions de livraison et qui finalement s'en arrêtait aux voies de circulation pour comprendre la ville. C'est les neurones. Ça, c'est les neurones. Et que finalement, la ville, elle se comprend à travers ses immeubles, ses jardins. Et donc. Tout autre. Dans la ville de Paris, c'est la raison. Les ruelles, etc., c'est des voies de communication, comme les neurones. Ouais. Mais les neurones ne sont que des voies de communication. Ouais. Et la mémoire n'est pas dans les rues. La mémoire, la fonction culturelle, économique, politique de la ville de Paris, elle n'est pas dans les voies de communication, elle est dans les immeubles. Donc où il y a les gens qui pensent. Donc dans l'astrocyte. Donc dans l'astrocyte qui est autour des neurones. Vous en faites une importance encore plus importante. C'est une métaphore. Oui, mais enfin d'accord. C'est une métaphore, mais c'est une manière peut-être provocante, mais de remettre les pendules à l'heure. Et on comprend bien que vous êtes... Ne serait-ce qu'encore une fois que pour montrer que c'est faux. Et que vous êtes intéressé à la circulation dans toute votre vie, ce qui était déjà quelque chose d'important, mais maintenant vous rentrez dans les immeubles. J'en reviens quand même à l'animal. Vous dites la différenciation entre l'animal et l'homme... se fait surtout par la pensée. On dit que les neurones suscitent la pensée grâce au sens qu'on en a développé, mais les animaux ont des sens encore plus développés que les nôtres, et pourtant ils n'ont pas la même pensée. C'est qu'il y a autre chose. Et quand on voit que l'astrocyte est plus présent chez l'homme que chez l'animal, on dit qu'il y a quand même une piste, là, non ? Moi, je pense que les astrocytes, c'est une sorte de turbo. On utilise ce mot, Pierre Magistretti, avec qui j'ai écrit ce bouquin, avait trouvé cette expression, c'est-à-dire que ça potentialise toutes les activités mentales, quelles qu'elles soient. C'est vrai pour toutes les activités intellectuelles, mémoire comprise, langage, stratégie d'action, etc., perception, mais c'est vrai aussi pour les émotions. Si vous êtes triste, si vous êtes euphorique, c'est ça. Et c'est vrai aussi pour le mouvement. Mm-hmm. Si je fais un mouvement lent ou si je fais un mouvement rapide, bien entendu, les neurones sont en jeu. Mais aussi l'ensemble astrocytaire. Vous racontez une expérience très surprenante sur les rats, quand on met justement, pour développer des rats qui ont fait faire du sport, des rats qui ont fait... Et on voit que c'est le nombre d'astrocytes qui change. Oui. Si vous élevez des rats dans des milieux riches, il y a plus d'astrocytes. Mais l'expérience que moi je préfère, c'est celle de l'introduction d'astrocytes dans le cerveau d'une souris. Si on met ses propres astrocytes, ça ne change pas les capacités de mémoire. Si à la place de ces astrocytes, on met des astrocytes humains, qui sont beaucoup plus développés, ils sont très très complexes par rapport à ceux de la souris, la souris apprend mieux. Finalement, ça, c'est quand même assez démonstratif. Et finalement, vous allez encore plus loin, et là, vous venez de l'aborder. Les astrocytes sont en soutien des neurones, ils les nourrissent, ils les chauffent, ils les protègent. Vous l'expliquez longuement dans votre bouquin, mais ils ne font pas que ça. Ce sont aussi des cellules qui sont à la base de nos comportements, de nos émotions, de nos intentions. À partir de quel corpus d'expériences, de quelle série d'expériences, vous avez pu aboutir à ces conclusions ? Par exemple, sur la mémoire, il y a eu des expériences. Justement, je viens d'en citer une sur la mémoire, il y en a d'autres. Au fond, pour en résumé, ça veut dire que si vous analysez un comportement chez un animal, eh bien, si vous bloquez l'activité des astrocytes, vous bloquez le comportement. N'est-ce pas ? Ça veut dire que les astrocytes sont indispensables à la réalisation d'un comportement. Il y a quelques expériences, notamment en pathologie, par exemple pour l'épilepsie, qui montrent même que si vous bloquez les neurones et si vous activez les astrocytes, vous pouvez obtenir un comportement.
Mais ça, il faudrait le confirmer. En fait, la conclusion générale, c'est pas qu'il y a des astrocytes qui sont les patrons des neurones ou que c'est les neurones qui sont au service des neurones, etc. Non, l'idée générale pour la suite, pour l'avenir, et pour nos étudiants quand même, c'est de se dire que vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne un cerveau sans prendre en compte le fonctionnement des neurones associé à celui des astrocytes. Voilà au moins une chose qui est certaine, ça. Vous dites aussi que c'est un élément clé de la plasticité. Alors, la plasticité, c'est pas toujours été facile à comprendre, mais enfin... C'est un mauvais mot, franchement. C'est un mauvais mot, effectivement, ouais. On est d'accord. Mais n'empêche que, quand on voit ce qui se passe, l'adaptation de gens qui ont des problèmes dans l'accident vasculaire cérébral, la récupération des handicaps. Là, vous dites que l'astrocyte a certainement un rôle important. Mais bien sûr, parce que, n'est-ce pas, les neurones, si on parle des neurones eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en souffrance? Ils compensent par eux-mêmes, ils hyperactivent ce qui reste de physiologique en eux-mêmes. Mais la deuxième chose est anatomique, c'est-à-dire que quand un neurone souffre, le neurone d'à côté peut envoyer des collatérales pour remplacer un peu le fonctionnement de l'autre. C'est ça la plasticité neuronale. Et là, sans astrocyte, ça ne marche pas. Le plus bel exemple, c'est au cours du développement. Vous savez qu'un cerveau de nouveau-né, ça fait 300 grammes. Le vôtre fait 1350 grammes. Si vous étiez une femme, 50 grammes de moins parce qu'elle est plus petite. Oui. Mais enfin, donc ça veut dire qu'il y a une croissance de l'ensemble des neurones, une mobilisation de tout ça. Ça se fait comment? Eh bien, ça se fait en suivant les neurones s'enroulent, montent autour de ces... Le tube neural? Non, pas non, le, oui, pas dans le tube neural, dans le tube mais neural. Surtout après. Ouais, après, ouais. Et les neurones grimpent le long d'astrocytes particulières qu'on appelle la glie radiaire. Mmh. Et donc, s'il n'y avait pas de glie radiaire, il n'y aurait pas de développement cérébral. Vous avez ouvert le chapitre vous-même. Est-ce qu'il y a plus d'astrocytes chez la femme que chez l'homme? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une question très importante. C'est bon, d'accord. alors, une notion assez récente, je sors un petit peu peut-être du sujet, mais j'étais persuadé pendant mes études qu'on essaie avec un nombre de neurones bien établi, mais bon, puisqu'il y a des cellules souches pleines de cellules totipotentes, on peut se dire qu'il y a des neurones qui se refabriquent en permanence. Et je pensais que c'était très anarchique. En fait, que c'était... plus décoratif que fonctionnel, vous dites un peu le contraire. Et j'aimerais savoir, est-ce que la glie aussi a cette capacité de se renouveler, comme on sent le découvrir chez... Alors, les neurones sont matures chez un adulte, c'est-à-dire qu'ils ne se multiplient pas. Les astrocytes se multiplient comme les autres cellules de l'organisme. Ils peuvent se reproduire, vous savez, c'est le fameux théorème d'Eiflick, 50 fois à peu près. Chez un centenaire, il y a toujours 85 milliards de neurones, s'il est intact. C'est quand même fou, hein. Ouais. Les astrocytes se multiplient. Donc, c'est tout à fait différent. Voilà, donc... Les astrocytes meurent? Les astrocytes meurent, ouais. Bien sûr. Ils meurent par apoptose, mais ils se multiplient. Un peu comme les cellules de la peau. Il y a quand même de grosses différences entre le neurone et l'astrocyte. Quand même. Ah ben, fondamental, ouais. Ça n'a rien à voir. Alors, vous dites... parce que même vous êtes très prudent ce soir... Vous posiez la question de la neurogénèse. Oui, oui. Il y a deux structures dans le cerveau où des cellules souches qui sont présentes peuvent se transformer soit en astrocytes, soit en neurones. On ne sait pas trop comment, pourquoi. Et se mobiliser et gagner d'autres régions du cerveau. Il y en a une qui est près du troisième ventricule, il y en a une autre qui est dans l'hippocampe. C'est intéressant, l'hippocampe, ouais. Parce que la mémoire, c'est très important. Ouais. Par exemple, on pense, pour donner un exemple... que pourquoi les pigeons retrouvent leur lieu de naissance? C'est une mémoire extraordinaire. Ouais. Ils peuvent parcourir 1000 kilomètres. Hein, retrouver. Oui. Et sans avoir fait le trajet. Donc, il y a une mémoire formidable de ça. Et on a des arguments pour penser que c'est la neurogénèse qui en est responsable, puisque quand on empêche la neurogénèse chez les pigeons, ils ne retrouvent plus leur lieu de naissance. Ouais. C'est-à-dire c'est quand même fou. Hein. Oui, donc là, leur... rôle essentiel dans la mémoire, alors. C'est un type d'expérience. Hein, on est là à l'aube du Moyen Âge. Hein, vous êtes très prudent ce soir, mais quand même, vous dites dans votre bouquin préfère. Que les astrocytes ont plus de raisons de penser que les neurones.
Ça, c'est clair. Mais je le dis un peu par provocation, par principe, encore une fois, je dis, puisqu'on en a parlé, imaginons que ce soit l'inverse. Imaginons, comme je le disais, qu'en 1920, on n'ait pas pu enregistrer les neurones et qu'on ait trouvé les ondes calciques, par exemple, les vagues calciques avec les gap junctions spécifiques des astrocytes. On aurait imaginé des modèles de fonctionnement du cerveau fondés sur les cellules gliales. On devrait dire, on parlerait de gliosciences et pas de neurosciences. Alors, vous dites, vous ne voulez pas qu'on dise qui est le patron entre les deux, mais alors qui est la poule, qui est l'œuf? On ne sait pas. Moi, je pense que dans la poule et l'œuf, c'est toujours les deux. Hein. D'accord. Alors, on va rentrer dans une notion un peu plus concrète. Cellules gliales, je vous pose des questions courtes. Hein. Cellules gliales et conscience? Ça, c'est compliqué, cellules gliales et conscience. Peut-être que je ne préférerais pas aborder ce sujet, parce que ça dépend de ce qu'on appelle conscience. Ok, etc. Sujet qui vous va mieux, cellules gliales et amour? Alors là, il y a l'expérience formidable de la mouche. Si vous avez une mouche mâle, normalement, elle va monter sur une femelle et faire ce qu'elle doit, faire. Si vous changez un gène très particulier, spécifiquement dans l'astrocyte, pas dans le neurone, vous allez faire en sorte que cette mouche va s'intéresser subitement aussi au mâle, pas seulement aux femelles, mais au mâle. Et si vous faites une délétion homozygote, il devient carrément homosexuel. Vous faites une hypothèse. C'est quand même, alors, homosexuel n'est pas un bon mot. C'est pas un bon mot, c'est un comportement sexuel qui est modifié. Parce que vous faites une hypothèse astrocytaire de l'homosexualité qui est tombée dessus. Pardon, je reviens en arrière. Mais c'est intéressant quand même, le comportement le plus beau et le plus subtil des animaux, c'est quand même l'amour. Ouais. Et on pourrait se dire que si on change un truc dans des astrocytes, dans tous les astrocytes, on va changer le comportement d'amour. C'est quand même le comportement sexuel. C'est quand même énorme, non? Vous ne trouvez pas? De toute façon, on sent. Le sommeil, vous dites, vous avez fait un long... Le sommeil, c'est merveilleux parce que on sait très bien qu'on peut modifier le sommeil en modifiant l'activité des astrocytes et seulement des astrocytes. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est que les pseudopodes des astrocytes pénètrent dans la synapse. Entre deux neurones. Et quand on se met en état de sommeil, il y a une rétraction des pseudopodes qui permet la transmission neuronale. Je simplifie, mais c'est ça l'idée. Et ce qui est amusant, c'est que ça avait été imaginé par Ramon y Cajal en 1890 déjà. Revenons au champ pathologique brièvement. Vous parlez de la maladie d'Alexander, maladie que je ne connaissais pas. Et vous supposez, en tout cas vous prenez l'hypothèse que les astrocytes sur cette maladie auraient un rôle dans le champ psychiatrique. Vous pouvez nous en dire plus? Ah non, mais c'est la maladie d'Alexander, c'est une maladie épouvantable du petit enfant qui meurt systématiquement avant l'âge de 2 ans. Bon, heureusement, c'est rare ici, mais c'est un modèle extraordinaire intellectuellement. Parce que c'est dû exclusivement à une mutation de la GFAP. Tout le monde sait, souvent de la science, c'est-à-dire une enzyme qui est strictement astrocytaire, qui est uniquement à l'astrocyte. Donc en empêchant le fonctionnement des astrocytes, vous aboutissez finalement à l'horreur qui est cette maladie astrocytaire. Donc c'est le type même de la maladie astrocytaire catastrophique. Alors à partir de là, il y a évidemment toute une série de maladies. On pourrait dire toutes les maladies du système nerveux mettent en jeu un dysfonctionnement à un moment donné des astrocytes. Alors si vous parlez de la psychiatrie, c'est assez compliqué parce que, si vous voulez, les modèles animaux ne sont pas très bons. Qu'est-ce que c'est qu'un rat déprimé? C'est compliqué. Et quand on regarde le cerveau des hommes, c'est aussi très compliqué parce que qu'est-ce qu'on regarde? Des suicidés. On peut regarder le cerveau des suicidés. Est-ce qu'ils sont déprimés? Quel type de suicide? Comment ils sont suicidés? C'est très compliqué. Donc, vous regrettez la séparation de la neurologie et de la psychiatrie? Toute ma vie, je me suis battu contre ça, puisque j'ai été le dernier neuropsychiatre en 1973. Ouais. Ce n'est pas pour ça. Mais j'avais fait ce métier justement à cause de ça, parce que je pense que... Il ne faut pas oublier que la psychiatrie, c'est 30% du budget de la santé. C'est énorme.
c'est le plus grand problème dans les pays occidentaux de pathologiques. Donc c'est très important. Et ces deux disciplines sont séparées pour des raisons idéologiques que je comprends initialement. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Surtout en France, avec les nombreuses sociétés savantes de psychiatrie. Mais je préférais laisser parler mes excellents collègues psychiatres. Non, mais est-ce que vous pensez que justement l'astrocyte, la cellule gliale, peut être un point de commun de retour d'un raisonnement entre les deux disciplines? Je crois que j'aimerais bien. Je pense que le modèle de la neurologie est plus facile. Pourquoi ? Parce que dans la neurologie, il y a des trous, il y a des boules. Oui. On voit dans un cerveau, au microscope, on voit des choses. Dans un cerveau de maladie psychiatrique, on ne voit pas de grosses choses. À l'échelle moléculaire, sûrement, il y a des modifications pour les grandes pathologies. Mais voilà. Oui, ce qu'on peut... On aimerait comprendre... Je suis un peu à ce niveau de l'émission, je me dis, les neurologues ont toujours été, pendant très longtemps, de superbes cliniciens. On faisait des beaux diagnostics, bon, il n'y avait pas de traitement, mais bon, c'était quand même les hommes intelligents de l'hôpital. Et pendant ce temps-là, on essayait de réparer dans d'autres pathologies. Là, vous rajoutez quelque chose d'incroyablement intellectuel, enfin brillant. Mais je me dis, vers quoi on va ? Est-ce qu'on va encore vers des suppositions ? Qu'est-ce que ça va amener en pratique ? Alors, par exemple, de façon très, très, très claire, on va voir des maladies, maladie d'Alzheimer et astrocyte. Vous dites quoi ? L'astrocyte protecteur ou délétère ? Il est les deux. Au début, il est protecteur, par exemple en permettant l'élimination de la protéine bêta-amyloïde. Et puis, lorsqu'il est débordé, il est malade, l'astrocyte. Ouais. Parce qu'il est plein de bêta-amyloïdes, il y en a trop où elles sont mutées. Et du coup, il ne peut pas bien nourrir les neurones. Et à ce moment-là, les neurones souffrent. Mais surtout, pour la maladie d'Alzheimer, c'est l'histoire de l'APOE qui est formidable. Vous savez que si vous êtes APOE4, vous avez 8 fois plus de chances d'avoir une maladie d'Alzheimer que si vous êtes APOE2. Qu'est-ce que c'est APOE ? C'est une protéine, une lipoprotéine très lipidique. Et donc, c'est un facteur fondamental, astrocytaire, pur, prédispose à la maladie d'Alzheimer. Une fois, on va m'annoncer de mauvaises nouvelles sans m'annoncer de solution. C'est un peu ça le problème. Oui, mais ça, je peux répondre à ça. Ouais. Parce que, si vous voulez, je comprends bien, nous souffrons nous-mêmes de ne pas pouvoir traiter les maladies qui sont purement du domaine de la neurologie, c'est-à-dire les maladies neurodégénératives. Quand vous avez un abcès à une tumeur, etc., c'est comme le reste de la pathologie. Non. Pour le cerveau, par rapport à une prostate, le cerveau n'est pas une grosse prostate où toutes les cellules sont à peu près les mêmes. Le problème, c'est qu'un cerveau, c'est un milliard de fois plus compliqué que tous les organes de l'organisme. Ça, je veux bien comprendre. C'est ça la différence. Par exemple, c'est comme si on avait des milliards, des millions d'organes, de petits organes dans un cerveau. Mais est-ce qu'on peut imaginer des pistes ? Par exemple, vous dites l'astrocyte, à un moment, il est débordé. Vous avez parlé d'astrocyte qu'on a implanté chez le rat. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on va pouvoir injecter des astrocytes dans le cerveau, par exemple ? Pourquoi pas ? Non, mais est-ce que c'est totalement idiot ? C'est pas idiot en soi, donc je suis heureux de vous le dire. Mais en revanche, je ne suis pas pour ce genre de choses. Je vais vous dire pourquoi. Justement parce que c'est trop compliqué. Je le disais tout à l'heure, dans 1 mm³ de tissu nerveux, vous avez 500 000 000 de connexions nerveuses. Est-ce que vous allez balancer quelque chose, vous allez inonder ? Je dis, mon exemple, je dis, c'est comme si vous balanciez des taxis place de la Concorde pour résoudre le problème du trafic dans Paris. Je trouve qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, c'est un message fondamental. Il faut vraiment faire de la recherche moléculaire, cellulaire, comportementale, avant d'aboutir à des thérapeutiques curatives. Oui, mais on va y venir quand même, parce qu'il y a un moment, il faudra bien qu'on en parle. Dans d'autres maladies de Parkinson, l'astrocyte aidant ou protecteur ou délétère ? Aidant et protecteur, c'est ce qu'on a montré dans mon groupe il y a longtemps, Philippe Damier. Un excellent papier, c'est très important. Oui. Il peut être protecteur dans cette maladie, il l'est sûrement. Est-ce qu'il fait autre chose ? Je ne sais pas. Donc, Parkinson, protection, oui. AVC ? AVC, c'est compliqué. C'est d'abord protecteur, comme toujours, puis au bout d'un certain temps, ça peut être destructeur, parce que ça sécrète des cytokines
Mais à ce moment-là, les cellules gliales qui sont les majeures, ce sont les microglies qui ont un rôle dans l'inflammation, comme on sait, dans la défense du cerveau, et moins les astrocytes. Mais ces notions, elles sont récentes du rôle de l'astrocyte dans toutes ces pathologies, ou c'est des choses qu'on commençait à bien connaître? On sait assez bien, si vous voulez, les pathologistes savent bien que les astrocytes joue un rôle important en pathologie. Le problème, c'est quel rôle? Et pour répondre à ça, parce que corrélation n'est pas relation, c'est pas parce que vous trouvez des astrocytes dans une situation pathologique que vous allez conclure que les astrocytes jouent un rôle protecteur ou pas, ou l'inverse. Donc c'est là qu'il faut retourner à l'expérimentation en laboratoire. Et ces expériences restent à faire. Du coup, est-ce qu'il y a quand même des pistes thérapeutiques concrètes, notamment sur des pathologies à forte fréquence? Parce que sur les pathologies rares, c'est peut-être plus avancé, mais vous avez cité l'AVC, vous avez cité la dépression. Où est-ce qu'on en est en termes thérapeutiques? Section de la moelle, quand même. Section de la moelle. Section de la moelle. Si vous voulez, pourquoi on ne peut pas rétablir la solution de continuité de des millions d'axones qui descendent, qui ne retrouvent pas leur bout manquant? À cause de la cicatrice gliale. C'est un autre exemple. C'est peut-être là qu'on va pouvoir injecter des astrocytes pour faire le pansement. Peut-être, oui. Je vous pose des questions forcément un peu grand public pour que ceux qui nous écoutent se disent, est-ce qu'on va déboucher à quelque chose? Est-ce qu'on peut imaginer que les astrocytes qui sont capables... Il faut d'abord se débarrasser de la cicatrice. Et ça, c'est pas facile. Ou alors de le faire d'emblée. Un jour, peut-être qu'on pourra le faire. Ils font quoi, les astrocytes? Il y a des gens qui le font déjà. Il y a des groupes qui font ça. Dans la rupture de moelle, l'astrocyte fait quoi? D'abord, il est délétère parce qu'il y a une cicatrice qui bloque. C'est comme une cicatrice kéloïde. Mais l'idée est peut-être d'injecter, en effet, une grande quantité d'astrocytes particuliers. Au moment, tout de suite après une section de la moelle, c'est possible. Mais pour répondre à votre question, je crois qu'elle est fondamentale pour moi. Dans l'industrie pharmaceutique, jusqu'à présent, on a cherché des cibles pharmacologiques exclusivement chez les neurones. Vous pouvez y aller, hein. Bon, et peut-être quelques exceptions que je ne connais pas. C'est en train de changer. Mais il y a tellement de cibles qui restent sur ces astrocytes en particulier, qui sont inexplorées, parce qu'on les connaît mal, que je pense qu'il y a des cibles pharmacologiques précises sur les astrocytes qui pourraient être trouvées pour améliorer ou guérir certaines maladies. Mais moi, mon idée générale, c'est qu'il faut, évidemment taper sur les deux. Il faut avoir trouver des médicaments ou des solutions thérapeutiques d'une autre nature qui agissent à la fois sur les neurones et sur les cellules gliales de manière consensuelle, synergique. Et qui peuvent faire quoi sur les cellules, sur l'astrocyte? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Oui, c'est une bonne question. D'abord, peut-être d'un côté, empêcher qu'elle soit délétère, par exemple. Par exemple, faire la cicatrice. Et deuxièmement, les activer, par exemple, pour sécréter des facteurs trophiques. Vous savez que les facteurs trophiques, comme le nerve growth factor, le NGF, le BDNF, le GDNF, etc., sont des substances très simples qui permettent de la croissance des neurones, donc quand ils sont en souffrance, de les réactiver, et qui les sécrètent? Les astrocytes. Donc on devrait pouvoir jouer sur les deux, à la fois des médicaments antidélétères et des médicaments activateurs des astrocytes. Et les labos, les industriels, ont commencé un petit peu à explorer ces pistes ou pas du tout? On se situe où là dans l'histoire? Il y a quelques startups, j'en connais au moins une. Oui. Il y en a certainement quelques-unes que je ne connais pas encore. Mais moi, j'ai ce discours auprès de grands industriels. De la pharmacie, j'espère que ce discours sera entendu un jour. Je ne suis pas le seul. Vous dites dans votre bouquin, le traitement des maladies nerveuses devrait se faire en fonction des astrocytes. Ça, vous êtes assez affirmatif. En tenant compte de... Je n'ai pas dit uniquement en faisant ça, j'imagine. Très peu de questions, comme je vous le disais. La leucoaryose, ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que ça a un lien avec un dysfonctionnement des cellules gliales? Non. Voilà. Bon, ben voilà. Vous avez votre réponse. Alors, on va conclure. Avec vous, on passerait la nuit, mais on a une règle, c'est qu'il va bientôt falloir rendre notre liberté à nos médecins. Vous dites qu'il y a, selon le psychologue William James, trois phases qui accueillent une idée innovante. D'abord, c'est une idée incorrecte, puis c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas important. Et enfin, j'ai toujours su que c'était important. Ça m'a bien plu, parce que c'est vraiment toute l'histoire de la médecine. On en est à quel niveau pour les cellules gliales? Entre 2 et 3.
Entre deux et trois. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que c'est important, et puis on va se rendre compte que c'est très important. Alors donc, c'est ce saut. Et c'est très difficile, parce qu'une fois qu'on a, n'est-ce pas, des convictions à l'échelle personnelle, ou des idéologies à l'échelle collective, c'est très difficile de revenir en arrière. – En tous les cas, on sent votre enthousiasme. Oui. Ça fait plaisir, vous êtes un homme toujours assez enthousiaste. Oui. L'Institut Moelle-Épinière et Cerveau va bien, vous avez… – Ça va, vraiment, je suis vraiment très heureux, ça va vraiment bien. – On fera une émission… – 650 chercheurs, je pense que c'est l'endroit où on va faire des découvertes. – Et combien sur la GLI ?– Il y en a pas mal qui travaillent sur la GLI, mais pas avec la philosophie qui s'est dégagée au cours de cette émission, à ma connaissance. Pas encore. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme glial, une révolution des sciences du cerveau, écrit en collaboration, il faut le citer, avec Pierre Magistretti, qui est médecin et neuroscientifique. J'insiste, mes chers amis, sur l'extrême qualité de ce bouquin. C'est facile à lire, parce que ça paraît pas facile à comprendre. On apprend, on réfléchit, on savoure. Je suppose que la qualité de cette émission sera la traduction de ce qu'est ce livre. Nicolas, belle émission. Merci beaucoup Yves Agide pour tout ce que vous nous avez appris. Ce bouquin est effectivement passionnant, il est très clair. Moi je retiens deux choses qui m'ont frappé, c'est que finalement pendant un siècle la science a patiné sur ces cellules et que finalement se dégageant maintenant en pleine vitesse, en espérant pour les années à venir, le potentiel thérapeutique va sans doute s'ouvrir. En tout cas un grand merci, espérons-le. Merci à vous surtout. Voilà, en tous les cas, ça correspond à la vision du service que votre groupe a envie de proposer aux médecins. On se retrouve dans un mois avec une émission, là encore, avec un invité prestigieux, puisqu'il s'agira d'Axel Kahn, le généticien qui viendra, au moment où on en parle beaucoup, de nous parler de bioéthique et nous donner son éclairage sur quelques dossiers chauds. Je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions. jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions ou en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Toutes nos émissions, pas que celles des JDF, sont là. Et n'oubliez pas de liker, pouce levé, c'est comme cela que ça fait monter l'audience. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission un peu, j'allais dire, provocatrice aussi, mais qui est donc devenue la cardiologie. C'est vrai que vous, médecin, vous nous dites, on ne parle plus de cardiologie, il ne doit plus y avoir de maladie de cœur dans ce pays. Ce n'est pas le cas. En tous les cas, on en parle la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.